Bonjour. Ça va? Avez-vous bien dormi? Non? Comme c'est comme ça. Ça dépend. Ça dépend de... imaginez la nature. Ça me tend dans là. Ça me donne le connaît. Si on imagine différentes choses, pense différentes choses, on ne peut pas dormir. Avant de coucher, essayez de faire l'esprit calme. Ne pense pas arrière. Ne pense pas quelque chose futur, passé, futur. Futur, non, l'on est né du droit, tu vois. Mauvaise chose à venir, ne pense pas. Si on pense, on ne peut pas dormir. Essayez de faire l'esprit calme. Si c'est pense quelque chose, sur méditation, sur respiration, c'est important. Lève-toi là. Test droit trigger de la lame sang. T'as des calories. Des pas de bouger à tapis là. Essayez de penser plutôt bonnes choses. C'est bien. Après, ça va dormir. Calme. Pour moi, c'est très. Alors, gauche, facile de bien dormir. La tête tombe. De temps en temps, ça m'arrive à cause d'autres choses. Si je pense, j'ai entendu quelque chose de mauvais. Après, j'ai réfléchi. Voilà. Sinon, aucun problème. Allez, on commence. Pour essayer de faire alors visualiser ouais. Avant de récitation on va essayer de visualiser d'objets du refuge devant vous devant nous la Nadira devant nous. Alors, je ne sais pas. J'ai dit, il y a quelqu'un qui si je ne peux pas parler. Après, elle m'a dit, elle voit. Nata dina sarwa chayu sayal tab, chayu dina dina rangi chinji tsaya lama tsogo di jawa shachitubi ngo yinba, namba yinba la ngo dhabu di rangi chinji tsaya lama yinba samla tangi, di thakur tu choji jawa seda jaba tangi yawa samla tangi shoks. Donc, on visualise les objets de refuge qui sont le Bouddha Shakyamuni, qui est en essence, en fait, notre maître principal, donc notre maître principal qui revêt les traits, l'aspect du Bouddha Shakyamuni, et qui est entouré de l'ensemble des Bouddhas et des Bodhisattvas, des directions. Et des trois temps. Des temps, on va le tout gêné. On va chik cham du chaya da dindik chashi tang yu yin zang shogaya lang nirwa tu jeni ma sik deva chitam tang shos. Et pensons en fait que tous ces êtres donc, que l'on visualise en face de nous
sont ravis, sont heureux en fait de nous voir finalement dans cette disposition quelque part qui nous anime, c'est-à-dire ce désir de dès le réveil donc de venir, d'écouter cet enseignement, de prendre refuge, de nous apprêter à prendre refuge, pensons que donc c'est quelque chose qui ravit profondément le cœur de chacun de ces êtres et qu'ils ont une apparence radieuse. Sourit. Donc il sourit. Sourit. À quand galère, chérie. Radieux, mais il sourit, si vous voulez. Radieux. Ah, le banane. Donc voilà, les objets de refuge ont la banane. C'est pas moi qui l'ai dit pour une fois. On peut continuer dans cette veine si vous voulez gâcher là. C'est ce qui manque. Et donc on vous vit étant ravi, donc on visualise que ce ravissement se manifeste justement par l'écoulement de nectar et de rayons de lumière. Donc c'est ce qu'on visualise donc alors que l'on prend refuge. Jinja sambadan dungro. Lama dhamma jandende. Page 73 dans le livre de Rigbodhanjabu. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable et guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable le guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné de marques excellentes, votre visage est semblable à une pleine immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré, montrez la voie qui mène à la libération, vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes. Avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines et parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha.
Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Hommage aux trois nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration des catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme, la vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides ? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont vacuité. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement et surpassable éveil parfaitement accompli. Ainsi, le mantra de la grande perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Taliata gate gate, para gate, para samgate, bodhi soa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva, Arya Avalokiteshvara, en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. » C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Samaranda jadara samaraya pe tariya
tayata gade gade bara gade bara sangade bade soha baba gunjo dunje gaye denbe dobje chal doba juje me ba juje shewa dage ba je men de be jo renge ba dom je shin do gure soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma. Puisse tous les plaisirs être Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On va à la page 98 ou 99, je ne sais pas. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement et les autres, puis-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux autres réunis par l'écoute des enseignements, puis-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. On change l'ordre. Parfois, on commence d'abord par le Bouddha, après on change. On a déjà changé dans le livre. Je pense dans le livre. Dans la nouvelle édition, c'est changé. Dans le livre, c'est comme avant. Hein. Jusqu'à l'éveil, je prends le pouvoir. Je pense. Mais c'est seulement c'est petit livre pour le matin. Ah oui, c'est ça. Il y a une différence entre les deux. Donc, Il y a une différence entre le livre du matin qu'on utilise et le recueil doré. Et le livre doré. Ouais. Dans pendant l'enseignement, c'est normal. Jusqu'à l'éveil, je prends le pouvoir. Tout le monde sait, je pense, là. Mais manger des singes là. Jusqu'à l'éveil, je prends le pouvoir. Nam jutiro wa
on le Bouddha l'a dit, on dit Shogai de Yadi Madhya, on dit Shogai de Yadi Madhya. Il vaut mieux s'appuyer sur le livre de Ré, puisque tout le monde l'a, et ouais. que je le partage aussi. Donc il vaut mieux le dire à la version. Pas utiliser la version du matin. Comment Mais utiliser la version du livre de. Voilà. Ouais. Ya, ya. Tenez. Ah, dans le jeu, il y a un grand. Il y a ni tenez, l'angle du monde. Donc ce matin encore, nous avons, après une nuit de sommeil, nous avons eu nous avons pu nous réveiller, en fait, et nous réveiller, nous lever, et ce qui est une excellente chose. Et par là même, donc, grâce à ce fait-là, nous avons eu la possibilité, en nous levant donc, et nous réveillant, nous avons eu la possibilité de venir et d'écouter, ou d'écouter l'enseignement, où que nous nous trouvons. Et c'est un support extraordinaire, en fait, dont nous disposons, donc avec lequel nous nous sommes réveillés, ou en lequel donc, nous nous sommes réveillés. Qu'est-ce que... Ouais. Voilà. Vous voulez parler? Écoute, si vous tu pouvez veux... dire, hein. Vous pouvez tarder, c'est bien. Tenez, tel qu'avoir vu comme chose. Donc, prenant conscience de ça, en fait, que nous avons pu nous réveiller, que nous et cela sur la base d'un support donc aussi extraordinaire, prenant conscience de cela, ressentons-le et éprouvons une profonde joie à cette idée-là. Et d'avoir pu ainsi nous réveiller et nous réveiller toujours sur la base d'un tel support aussi donc excellent, c'est quelque chose que nous devons autant finalement au Bouddha, au maître, au Bouddha, que à tous les êtres. Donc c'est grâce aux uns comme aux autres que nous le devons. Et plus nous ressentons finalement combien c'est grâce à eux que nous leur devons, que nous devons d'avoir pu nous réveiller, de jouir de ce support, plus nous ressentons cela, donc plus naturellement nous sommes enclins en fait à manifester notre gratitude en retour. Das. Quand on dit ici de manifester notre gratitude en retour, comment nous y prendre, c'est finalement permettre à tous les êtres de voir s'exaucer leurs vœux le plus cher, leurs aspirations les plus profondes, et c'est, en ce qui concerne les Bouddhas, les maîtres, de réjouir finalement leur cœur, c'est-à-dire d'agir donc dans le sens qu'ils souhaitent pour nous. Et lorsque l'on regarde donc ce à quoi aspirent profondément les êtres, qu'est-ce que c'est donc pour pouvoir leur apporter en retour en quelque sorte, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est puisque personne ne désire la moindre souffrance ni n'est jamais rassasié de bonheur. Donc en fait c'est cette aspiration d'être préservé de la souffrance, à l'abri et d'éprouver un bonheur illimité.
Et là, je me rends compte que je suis en tout point semblable à eux, à chacun d'entre eux. Et si je regarde du côté finalement des maîtres des Bouddhas, quelle est leur intention finalement? C'est que tous les êtres parviennent à la libération et à l'éveil suprême, donc à la libération finale. Et c'est ce que nous dit Jerimpoche, par exemple, lorsqu'il rend hommage au Bouddha et qu'il écrit cet hymne quant à la production dépendante. Il dit ainsi, en parlant donc au Bouddha et du Bouddha, « Tout ce que tu as enseigné se relie à la production dépendante. Puisque cela conduit au nirvana, il n'est aucun de tes actes qui apporte la paix. » Autrement dit, tout ce qui a mis en mouvement, le Bouddha, c'est autant de présentations, finalement, d'explications qui convergent toutes vers cette interdépendance, cette production en dépendance, cette interdépendance, en comprenant que c'était cela qui conduirait, en fait, chacun des êtres à l'état au-delà de la souffrance. On y revient. Et donc voilà en quoi consiste finalement l'aspiration profonde des êtres et l'intention, donc tout aussi essentielle des Bouddhas. Ayant conscience de cela, maintenant comprenant en quoi est-ce qu'elle consiste l'une et l'autre, de voir qu'il m'incombe à moi-même d'agir dans ce sens, maintenant en vue justement de leur témoigner ma gratitude, donc en retour de leur bonté. Et ne pas le faire serait déplacé de ma part, quelque part. Une forme d'ingratitude. Il est clair que les êtres aspirent au bonheur, au bien-être et aspirent à éviter la souffrance, donc sous toutes ses formes, mais il n'empêche qu'ils traitent les causes du bonheur comme ils le feraient de leur pire ennemi et les causes de la souffrance comme ils le feraient de leurs meilleurs amis, ceci dit, donc dans leur tâtonnement ou leur aveuglement. Et forcément, cela nous montre, finalement, nous fait apparaître à nos yeux combien ils sont misérables dans cet aveuglement-là, en fait. Donc, ninje en tibétain, c'est juste pour vous éclairer, c'est le terme qui signifie compassion. Seulement ninje, t'as dit long, pourquoi? Je suis obligé, voilà. J'ai dit ninje, après il t'a dit long, les personnes, pourquoi? Pourquoi dit tout que ça? Que je l'ai dit, seulement... Ningjie, voilà, il t'a dit long. C'est bizarre. Il a dit quelque chose de bizarre. J'essaie de combler le fossé culturel. Oui, oui. Voilà, pour vous expliquer. Je sais. C'est mon boulot. T'inquiète. Non, je sais bien. Bon, bref. Donc, ceci pour dire que ninjie en tibétain, ça veut dire compassion, donc classiquement, et que dans le langage courant, quand on dit « oh, ninjie », nous, on pourrait rendre ça par « le pauvre ». Voilà. Mais ouais. Le risque, quand on dit « le pauvre », c'est de tomber dans une espèce de pitié, de misérabilisme. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu le rendre comme ça. C'est « pauvre ». Voilà, genre. Oui, mais ça a c'est d'autres pas... idées derrière, Geshe-la. Voilà. C'est pour ouais. ça que c'est me suis permis d'en rajouter. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Et ça, c'est ça,
Et pensons ainsi donc à la situation dans laquelle se trouvent les êtres, donc et aspirons justement à ce qu'ils soient débarrassés de toutes leurs souffrances et des causes de leurs souffrances. Et donc puissent-ils en être ainsi débarrassés, et ce faisant, on développe la grande compassion vis-à-vis de tous les êtres. Et pareillement, donc, puissent tous les êtres éprouver un bonheur stable, donc en rassemblant ces causes, un bonheur dénué de toute trace donc, de souffrance, et en développant une telle aspiration, on génère la grande bienveillance. Les soustraire à leur souffrance, leur procurer le bonheur, si je ne le fais pas, moi, dès maintenant, qui est-ce qui va le faire? Moi-même qui ai reçu autant de tous ces êtres, qui doit autant, en fait, à chacun d'entre eux, si ce n'est pas moi qui le fais, qui va le faire? Et ce serait complètement ingrat de ma part de ne pas m'en préoccuper. Donc je dois le faire, ça c'est sûr, j'en suis convaincu. Mais est-ce que je peux, est-ce que je suis capable pour le moment de le faire? Et force est de constater que je n'en ai pas encore la capacité. Qui en est capable? Simplement un Bouddha. Justement, donc en vue de pouvoir soustraire tous les êtres à leur souffrance et leur procurer le bonheur, je vais donc moi-même me transformer complètement jusqu'à parvenir à cet état de Bouddha. Et c'est quelque part la seule option que j'ai ici, en quelque sorte. C'est ce à quoi je vais m'employer. Mais pour que je puisse ainsi me transformer donc aussi radicalement, il me faut savoir comment m'y prendre, donc il me faut connaître ce dharma, et pour le connaître, il me faut d'abord l'écouter. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là et que je m'apprête à écouter cet enseignement. Donc l'esprit étant ainsi imprégné d'une motivation aussi excellente, faisant en sorte que notre oui, notre audition, soit la plus claire et excellente possible. Écoutons avec la plus grande attention, d'autres termes. En évitant justement de présenter l'un ou l'autre des défauts semblables aux trois récipients, aux trois défauts d'un récipient. Que notre écoute ne ressemble pas à cela. Donc
shegwa jindendi zodi ta taba chimbi lamna droya di zawa ningji chimbo la rala ki yinza ningji chimbo ke chimbo yinbi jimde rwa hondi an tanda pasama ke chewa yinbi jimdendi ishe an tama ke chewa sabinda drawa padu ke chewa chulida drawa tama ke chewa dhivu mimbatan drawa re sine ta dhinti jindi maasa ishe rwa ishe ni ta ningji di chewa chewa la ta Ninji Jay, Tapshi Dog, the cargo war, Salanata, the new Sajiniva, the Jindem, Menga Dina, Lone, that the Judan Devu Jotsi, the Sherwa, Judan Devu Jotsi, the Sher, Judan Devu Jotsi, the Nalada, Ne Calore Machine, Champa Padu, and the Res Casola, Judan, the Ne Teletini, Ninji Jay Wardis, Ninji Teletini. Ni pasang dah, janji sistem cikgu ada jenis ni, an dah dia terus jangan terus awak cerewa, di mana terus ada, di ni dah dijela, kalau, rimjendu, rimjendu jangzi terus, rimjendu jangzi terus, rimjendu jangzi terus dah, sendiri tu ni jelah jangzi dah, janji tu ni jelah jangzi, dah sendiri tu ni jelah jangzi terus yang, di ni kalau ada. Si l'on reprend, donc vous pouvez suivre avec moi votre plan, si l'on reprend un petit peu le plan pour situer où nous en sommes arrivés. Donc depuis hier, nous avons commencé à aborder les étapes propres donc, à un individu de grande capacité. Donc, nous sommes toujours donc, dans comment entraîner notre esprit, donc, désormais, comment extraire l'essence pardon, de cette existence disponible et qualifiée. Et là, désormais, c'est comment entraîner donc, notre esprit selon les étapes de la voie avec des individus de grande capacité. Cette partie, comme on l'a vu, comportera trois grands points. On a parcouru le premier, donc de voir que développer l'esprit d'éveil est la seule porte d'accès au grand véhicule. Grand véhicule, sous-entendu, autant le véhicule des perfections, le paramitayana, que le véhicule du mantra secret, le mantrayana. Le deuxième point, c'est de voir comment cultiver bodhicitta, et c'est là où nous nous trouvons. Ce deuxième point, comment cultiver bodhicitta, l'esprit d'éveil, se subdivise lui-même donc en trois points, donc, et nous en sommes au premier, c'est-à-dire la description des étapes donc, de l'entraînement justement de l'esprit dans le développement de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Là, à ce propos, donc, on va voir qu'il y a deux méthodes de développement de l'esprit d'éveil, et nous en sommes à la première, à savoir comment finalement développer bodhicitta, l'esprit d'éveil, selon en fait la méthode transmise par Atisha, dont on a hérité cette méthode qui s'intitule la méthode des instructions en sept causes et effets. Nous avons commencé à voir en fait certitude. Finalement, à développer cette certitude qu'il y a quant à l'ordre de succession des différentes étapes donc, dans cette instruction. Et nous avons vu en fait que parmi ces différents points à développer, l'élément en fait central ici était la compassion. La compassion qui constitue le fondement même en fait de la voie du Mahayana. Cette compassion, donc grande compassion dans ce contexte, on s'en souvient, grande compassion qui est importante au début, au milieu comme à la fin. Au début parce qu'elle s'apparente à une graine, au milieu parce qu'elle s'apparente à de l'eau, de l'engrais, et à la fin parce qu'elle permet en fait de jouir pleinement du fruit, du résultat. Ensuite, on avait vu finalement l'articulation qu'il y a entre ces différents éléments, donc de ces différents facteurs de cette instruction en sept points, et comment ils se relient à la compassion. Une fois encore, parce que la compassion étant le facteur essentiel ici de ce développement. Et on avait vu que les quatre premiers points, qui s'étendent donc de la manière du fait de reconnaître tous les êtres comme nos mères jusqu'au développement de la grande bienveillance. Ces quatre premiers points consistent en les causes donc, qui permettent la genèse de la grande compassion. Et les deux points suivants, donc à savoir le développement de la pensée supérieure ou l'intention supérieure et l'esprit d'éveil, consistant finalement les fruits, les résultats qui découlent donc de la présence de la grande compassion. Et donc ça, nous avions mis en évidence cela, et nous étions arrivés donc à la deuxième partie, donc relative à ces instructions en sept points, à savoir entraîner notre esprit selon les étapes successives à présent. Changer de niveau, changer de niveau. Ta tangue de là,
Lorsque nous avons abordé donc cet entraînement de l'esprit selon les étapes successives, en fait, nous avons commencé par voir comment entraîner notre esprit à souhaiter, simplement d'abord, souhaiter accomplir les objectifs d'autrui. Et nous avons vu, finalement, nous avons commencé à aborder en fait les fondations qui permettent le développement, la production de l'esprit d'éveil. Et dans ces fondations, en fait, c'était d'abord de développer l'équanimité, dont on a parlé, donc l'impartialité. Et le deuxième point serait de voir en chacun un être donc très proche, très sympathique, c'est-à-dire développer ce sentiment de proximité. On a parlé donc de cette équanimité, on a vu qu'elle relevait finalement de l'impartialité et qui faisait que jusqu'à présent, on opère des distinctions spontanément entre des êtres qui nous sont proches, auxquels on se sent, vis-à-vis desquels on se sent attaché, des êtres qui nous sont plus éloignés, dont on se sent, qui nous paraissent antipathiques vis-à-vis desquels on éprouve de l'aversion, et d'autres êtres donc qui sont étrangers, donc des inconnus, vis-à-vis desquels on éprouve de l'indifférence. Donc, bien sûr, de prime abord, chercher à éliminer l'attachement que l'on éprouve pour les proches et l'aversion que l'on éprouve pour les êtres antipathiques est extrêmement difficile. C'est quelque chose quasiment impossible. Par contre, on peut chercher à réduire, finalement, et c'est tout le propos de cette méditation portant sur l'équanimité, on chercher à réduire en fait la force d'un tel attachement, la force d'une telle aversion et la force d'une telle indifférence finalement, ou en tout cas la présence d'une telle indifférence, et cela en questionnant finalement ce qui suscite un tel attachement, une telle aversion ou une telle indifférence. À savoir, lorsque l'on pense à un objet d'attachement, donc quelqu'un dont on se sent proche, de réfléchir pourquoi finalement est-ce qu'on se sent proche. Et on s'entend répondre parce qu'il nous a fait du bien, il nous a rendu service, etc. Et ce qu'on va mettre en fait ici dans la balance pour contrebalancer, en l'occurrence, cet attachement, c'est de voir que peut-être à un moment de notre vie ou dans cette vie, cet être a agit ainsi favorablement à notre égard, mais qu'il n'en a pas toujours été ainsi, et qu'antérieurement, il nous a causé du tort, qu'il nous a nui, qu'il nous a blessé, donc, et cela d'innombrables fois dans nos vies antérieures. Par exemple, ce même type d'argument, on va pouvoir l'appliquer en relation avec un objet d'aversion. Par exemple, quelqu'un qui nous est antipathique, franchement antipathique, voir qu'il n'en a pas toujours été ici, ainsi non plus dans ce cas-là, mais que cet être a pu nous être extrêmement bénéfique en un autre temps, en une autre heure. Et cela pour réduire, en tout cas, la force de cet attachement, réduire la force de cette aversion. Et pour ce qui est de cet être qui est un étranger, en fait, un parfait inconnu, de voir que il n'a pas toujours été un parfait inconnu, en fait. Ce sens que, par moments, il nous a été extrêmement bénéfique, à d'autres moments, il nous a causé énormément de tort, et que finalement, on est aussi relié finalement à cet être qu'avec tous les autres. Oh, c'est Alors,
Ce qui importe finalement lorsqu'on cherche ainsi à niveler le regard que l'on porte sur les êtres, c'est de voir finalement qu'il n'y a strictement aucune certitude quant à la nature du lien qui nous unit les uns aux autres. C'est-à-dire qu'en un temps, peut-être toute cette vie durant, nous aurons ce type de lien avec cette personne, mais que ça n'a pas toujours été ainsi et ce ne sera pas forcément toujours le cas. Et même au sein même de cette vie-ci, combien en fait un lien peut, la nature d'un lien peut se transformer. Et on peut très bien apprécier quelqu'un antérieurement et l'apprécier beaucoup moins ultérieurement ou inversement. Et c'est parce qu'on va réfléchir à cela, la ramener à notre esprit, y penser souvent, en fait, le méditer donc régulièrement, que progressivement, notre regard va se niveler et l'on va être en mesure de percevoir tous les êtres d'un même œil, finalement. Et lorsqu'on sera en mesure vraiment de faire cela, là, notre esprit sera prêt pour réellement s'imprégner et donc méditer les étapes suivantes, c'est-à-dire commencer à envisager tous les êtres comme notre mère. Maintenant, Alors, il faut être très lucide quant à cela, c'est-à-dire que quand on est seul chez soi dans sa chambre, on n'a en général pas trop de difficultés avec l'équanimité. On porte un regard assez semblable sur les uns les autres. Après, l'épreuve du feu, c'est dès qu'on sort de là et qu'on rencontre les uns les autres et de voir finalement bah, qu'est-ce qui s'élève en nous. Et là, on est rapidement fixé, en général. Il y a trop de dégâts là-bas. C'est donc très clair. Il suffit de voir quelqu'un pour qu'immédiatement on fasse presque un pas de recul et notre mine se renfrogne et voilà, on se met sur notre défensive. Ou pour qu'au contraire, on voit quelqu'un d'autre arriver et immédiatement, on fait un pas avant. Même, on est notre visage s'illumine et on est prêt à l'accueillir. On l'accueille volontiers. Et ça, c'est facile à voir. Comment ? Lumière, non, radieux. Un sourire radieux. Le visage s'illumine. C'est ça que j'ai dit ? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Je pense. C'est ça, merci. Je ne sais plus. S'illumine, pardon. S'illumine, là, tu connais ? La banane, c'est ça. C'est la banane. La banane. La banane. D'accord. Donc cela nous montre donc on peut tester régulièrement où, comment notre esprit avance avec cette par rapport à cette équanimité, cette impartialité. Et donc lorsqu'on constatera finalement que quiconque arrive, quiconque entre dans notre champ de vision finalement suscite le même œil de prime abord, en tout cas le même regard, là on pourra considérer que notre esprit est bien familiarisé avec cette équanimité et qu'il est prêt donc finalement ensuite à pouvoir s'entraîner donc à l'étape suivante, c'est-à-dire percevoir tous les êtres comme notre mère. Tout le propos en fait, donc des étapes qui vont suivre, va consister maintenant à non seulement donc sur cette base en fait d'un regard neutre posé sur les êtres, maintenant à nous sentir proches d'eux. Pour nous sentir concernés finalement et préoccupés par ce qui leur arrive. L'idée derrière, c'est d'arriver à cela. Et donc, il faut rendre maintenant ces êtres aimables, si on peut dire. Il faut nous les rendre sympathiques. En fait, il faut qu'on ait envie d'aller à leur devant. En fait, que notre esprit ait envie. Et c'est la raison pour laquelle, donc, dans une instruction comme celle-ci, Atisha et donc les textes nous invitent en fait à percevoir en fait, à imaginer, enfin, à nous figurer en fait que tous les êtres en fait sont nos mères.
Et pourquoi en fait elle choisit cet être donc est notre mère, c'est parce que dans la plus grande majorité des cas, en fait, c'est l'être qui nous a prodigué le plus de soins, qui nous prodigue le plus d'attention, qui est le plus préoccupé en fait par tout ce qui peut nous arriver. En fait. Donc c'est de par la nature de ce lien que c'est la mère qui a été choisie. Et de penser que, en fait, en termes là encore de probabilité, finalement, il n'est potentiellement aucun être qui, à un moment ou à un autre, n'ait fait cette expérience d'avoir été notre mère. Ce qui est tout à fait possible lorsqu'on considère le fait que nous avons pris un nombre incalculable de renaissances, ou nous avons eu un nombre incalculable d'existences. Et donc, puisque nous avons pris un nombre incalculable d'existences et que la plupart, en tout cas, de ces existences, elles aussi, ont eu besoin d'une mère, en fait, pour venir pour renaître, en fait, de ce fait-là, c'est tout à fait possible, en effet, que tous les êtres, donc aussi, leur nombre étant aussi limité soit-il, que tous les êtres, à un moment ou à un autre, aient été, en fait, notre mère. Et uniquement dans les cas où il nous est réellement impossible finalement de pouvoir prendre comme modèle, en tout cas la mère que l'on a eue dans cette vie-ci, pour des raisons de, on peut imaginer, de maltraitance très sévère, enfin, des choses très 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 difficiles, pas simplement des désaccords ou des choses comme ça, il faut vraiment les creuser. Si vraiment il y a cette impossibilité, alors à ce moment-là, on peut prendre un substitut parental, en fait, la personne qui a joué ce rôle quelque part pour nous. Donc plus notre esprit donc va pouvoir dès lors que l'on porte ce regard donc désormais sur tous les êtres que l'on s'entraîne ainsi à les percevoir comme étant nos mères pour la bonne raison qu'ils l'ont été à un moment ou à un autre, donc ils sont nos mères, quand on développe ce type de regard, qu'on projette cela en fait sur les autres. À partir de là, ensuite, ce qui compte, c'est de s'imprégner en fait de leur bonté à notre égard. Parce que pour c'est le fait de toucher finalement cette bonté que de tels êtres ont prodigué à notre égard qui va susciter en nous ce désir de manifester notre gratitude en retour. C'est ça qui va déclencher cet élan. Pensons d'abord au fait que notre mère de cette vie-ci n'a pas été notre mère uniquement dans cette vie-ci, mais qu'elle l'a déjà été de très nombreuses fois par le passé. Alors, Jainpoche nous dit ici, pratiquez comme l'a indiqué Geshe Potowa. Imaginez clairement la forme de votre mère devant vous. Et songez à plusieurs reprises que, dans ce cycle sans commencement, elle a été dans cette position d'innombrables fois, pas seulement à présent. Mm-hmm.
tamam mabane jawa mangbo len di nyam do la bugu chin jawa mangbo len mo sam tang go re so wa bugu jawa len de bugu chin yong go ra ya di bugu chin rang ge ma chin da jawa mangbo len mo sam tang go ra wa bugu je je rang ki ki wang mo ke de re be konta de chu ma de ma de да не габенде латас чидан латас чидан онд латас она деша эсплике сама на баба онко онко мазу комжиро жиро янжо янжо сияте я ро танжи латас дере онд дерес та динде инде та ди самдане ан ди замаин ба та се дега ранла ан та маги тинжи чангданде ан самданго орес. Alors, ça, c'est une première chose, donc de visualiser en face de nous donc, la forme de notre mère et de penser donc, ainsi qu'elle a été notre mère cela de nombreuses fois donc, par le passé. Et lorsque l'on on visualise finalement, lorsqu'on se met en sa présence, en fait, en d'autres termes ici, c'est de penser finalement tous les soins qu'elle nous a prodigués, toute l'attention, tout ce qu'elle a manifesté à notre égard, en fait. Та мадыта а тамбо кованалня дюганета маранду табжена дава тавгурва та чуде гур гу дава гунан тонаня деваре деняверин делян тени та маги ани чик халасая та карина ани чидан насута тенде юин жирва та южирва яре гау мета Qu'as-tu? Ma gayende. Ah, qu'as-tu? Gayende gane, gane yorwas. Tin ma gayta vijayde la dene, on est en hâte. Hame tinji chanda samajitangi na, roi. Tene, wanda ni meva. Kashita bu kini yungudwa. Mikji da yendetin chuni, roi. Mik chuni, and then karchita la dango wanda ni kumas, slegdo, roi. Wanda ni meva. Pugu-ti-gong-da-tien-la-ni-i-chow-an-wa-ma-ta-yang-ni-yang-tu-te-war-wa-an-di-ta-ta-wa-chi-ya-shi-gu-ka-li-du-was-an-di-ga-tu-ka-li-ja-gu-wa-des-din-su-su-gi-an-pe-de-pugu-ti-su-su-la-shi-ra-shi-ra-sa-ju-tong-ju-shi-ra-me-ne-pugu-ti-la-kha-yong-ji-yong-ya-ga-chin-ru-wa-chi-ki-chang-bu-chi-ya-ka-li-na-an-ka-la-te-ta-yin-na-pe-de-sa-sa-chin-ti-ya-shi-gu-ya-gu-chin-ta-din-du-sin-chi-gu-war-was- Et à ce stade, en fait, c'est là où il nous faut repenser cela de la façon la plus détaillée possible à toute cette bonté que notre mère n'a eu de cesse de nous manifester. Et cela depuis le premier instant, en quelque sorte, de notre vie. En tout cas, depuis l'instant où elle a su qu'elle nous attendait. La pensant en fait à ces 9 mois de grossesse et à toutes les tous les ajustements que cette situation en fait lui a demandé, tous les inconforts que ça lui a procuré, les douleurs éventuellement, toutes les craintes, les appréhensions, de voir combien elle a dû ajuster par exemple son alimentation, pendant un certain temps accepter de pas manger des choses qu'elle aimait bien, peut-être pour autant qu'elle appréciait, mais que justement en vue de notre développement elle a évité de manger par exemple. Pensons à tous les inconforts de toutes les positions, donc au fur et à mesure de l'avancement de la grossesse, dans lesquelles elle se trouvait donc très inconfortable, voire en difficulté.
l'accouchement lui-même, pensant à toutes les douleurs de ce moment pour notre mère, à toutes les craintes également donc, qu'il a amenées. Et c'est pas fini, une fois l'accouchement terminé, toutes les nuits blanches qui ont suivi, en fait. Donc l'allaitement, si éventuellement elle nous a donné le sein, mais toutes ces nuits blanches, toutes ces peurs, toute cette fatigue que cela a entraîné, les cernes, les yeux qui ont du mal à s'ouvrir le matin tellement la nuit a été difficile, pensant à toutes ces heures, en fait, toute cette attention qu'elle nous a ainsi prodiguée, de voir qu'elle-même soit mangée à la va-vite, soit se priver de nourriture pour nous donner le meilleur en fait, de ce qu'elle avait pu elle-même obtenir comme nourriture, toujours en vue donc, de notre bien-être, en fait, et uniquement préoccupée de cela. Mon ange. Et donc, pourquoi on est arrivé à mon ange? Ah oui, c'était ça, pardon. Il suffit par exemple que la maman soit à l'extérieur, ou dans le jardin, la terrasse, le balcon, peu importe, et qu'elle entende des bruits ou des cris, ou gémir, ou commencer. Bah, écoutez, c'est parfait. Son enfant, pour qu'immédiatement elle la court, elle dit: mon ange, qu'est-ce qui t'arrive? Et donc, je l'ai expliqué en tibétain, ils ont une expression qu'on dirait mon cœur, en fait, aussi. On peut dire mon cœur pour un enfant, donc Ningchu. Et en l'occurrence, donc en ce qui me concerne, j'ai perdu ma maman très jeune, donc j'ai très peu de souvenirs en fait de ma maman. Par contre, je me souviens très bien de mon papa qui s'est occupé de moi comme d'une mère. Et je me souviens très bien tout jeune enfant, donc je marchais, mais dans les champs ou la terre autour, donc il y avait des herbes hautes ou peut-être des racines, tout ça. Et donc je suis tombée, j'ai pris les pieds sûrement dans une racine, et mon papa n'avait pas vu du film, mais il a dû entendre j'ai oublié ça, effectivement. Non, c'est pas du tout ça, oui. Non, en fait, mon papa me tenait sur ses épaules, excusez-moi, et c'est lui-même qui a trébuché, en fait, pardon. Et il s'est pas tant soucié de lui que de moi, en fait, quand j'ai trébuché, en me disant de suite: mon cœur, tu vas bien, tu t'es pas fait mal, t'as pas tapé, enfin voilà, pardon. Et ça me bouleverse beaucoup quand je repense à ça.
Et quand je repense, par exemple, et c'est le propre de tout enfant, quand on est enfant, on n'a pas vraiment conscience des conditions matérielles de ses parents, du niveau d'aisance ou de précarité dans laquelle il se trouve. Et comme la plupart des parents, ils donnent toujours le meilleur à leurs enfants. Donc on avait toujours la meilleure nourriture, de quoi manger suffisamment, etc. Et ce n'est que plus tard que j'ai compris finalement le degré de pauvreté dans lequel était mon papa. Et il nous donnait lui-même tout ce qu'il pouvait avoir rassemblé, et il allait même emprunter à d'autres familles, par exemple. Donc ensuite, il cultivait le champ, et avec ce qu'il avait obtenu du champ, il remboursait une partie de la famille, gardait une partie pour lui, et voilà. Et ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. Il ne fait aucun doute que vos parents ont agi exactement de la même façon vis-à-vis, enfin, à l'égard de chacun d'entre vous. Et les soucis donc ne s'arrêtent pas au premier mois. Dès que l'on commence à marcher, notre mère n'a de cesse finalement que d'avoir un œil sur nous pour regarder de quel côté en fait nous allons, si nous ne risquons pas de nous cogner, de nous blesser, etc. Et lorsque nous marchons désormais plus facilement, bientôt nous allons à l'école, et là à nouveau c'est tous les soucis. Est-ce que nous aurons une bonne éducation? Est-ce que nous sommes bien suivis? Est-ce que comment ça se passe pour nous à l'école? Et lorsque nous sommes malades, là encore c'est une source supplémentaire encore de préoccupation. Et il n'est pas rare d'entendre des mamans dire: mais si seulement c'était moi qui étais malade à sa place, si je pouvais prendre sa maladie, ça les préoccuperait beaucoup moins. Et c'est tellement flagrant lorsque des parents perdent des enfants, de dire: si ça avait pu, c'était à moi de partir, c'était pas à eux. Donc c'est tous ces aspects-là, et donc de façon personnelle et de façon le plus détaillée possible, que l'on doit amener à notre esprit, auquel on doit repenser souvent, encore et encore, pour justement ressentir toute cette bonté dont on a été l'objet. Parce que finalement, le mot d'ordre derrière finalement chaque mère, c'est de faire au maximum du mieux qu'elle peut et le plus possible en fait pour son enfant. Et c'est réellement cette compassion qu'il a mis en mouvement en fait pour son enfant, son amour et sa compassion pour son enfant, qui font qu'elle n'a de cesse finalement de s'assurer que cet enfant rencontre le moins de difficultés, de souffrances possibles, et qu'il soit le mieux possible, qu'il éprouve le plus grand bien-être possible. Donc toujours pareil, ici c'est pas simplement une énumération en fait de factuel, on pourrait dire, hein, de fait que notre mère a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça qui compte, mais c'est réellement que chacun de ces aspects nous touche en fait, évoque en fait quelque chose de très que nous touche, nous bouleverse en fait intérieurement. Il est conçu, moi, non, je sais pas.
Donc on commence. On commence en fait une telle méditation donc en ne pensant, en ne visualisant et ne pensant que qu'à notre mère finalement. Donc ne visualisant que notre mère en face de nous et en pensant uniquement à ce qu'elle a fait pour nous, à tout ce dont on peut se souvenir ou que l'on peut imaginer. Et ensuite, en étant cela à notre père, à nos proches, donc de penser qu'ils ont fait exactement pareil eux-mêmes lorsqu'ils étaient notre mère en fait, pareillement. Et petit à petit, pour pouvoir élargir cela. Donc aux êtres qui nous sont jusqu'à qui nous étaient jusqu'à l'équanimité qui nous était antipathique en tout cas pareil de les imaginer donc agissant à notre égard exactement pareil lorsqu'ils étaient notre mère. Là des drames ensemble dans une des drames ensemble courtou mendona loa des de yangju courtou mendona tangnyum thola semle yangju jangha de kechimbolese loa. Et c'est là où il faut savoir faire des allers-retours dans notre méditation, en ce sens que lorsque on amène à l'esprit ces êtres qui nous sont antipathiques, donc, et que on essaie donc de se figurer dans ces soins, toute cette attention, cet amour qu'ils nous ont prodigué lorsqu'ils ont été notre mère, lorsqu'on est en but avec ça, lorsqu'on voit que notre esprit rechigne, qu'il résiste, ben, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est simplement revenir à l'équanimité. Et il faut à nouveau réinstaller ce processus d'équanimité pour reneutraliser ce sentiment, ce ressentiment ou cette aversion qu'on éprouve à l'égard de ces êtres. Et ensuite, on peut les réinstaller en face de nous, repenser que ces êtres ont été nos mères, et à ce moment-là, éventuellement, pouvoir voilà, faire passer le fait qu'ils ont été aussi bons pour nous. Par de nombreux allers-retours ainsi, donc on arrive progressivement dans notre visualisation, donc qui ici vise donc à être touché par la bonté donc de tous les êtres à notre égard, à imaginer ainsi tous les êtres en face de nous et à les considérer donc lorsqu'ils ont été notre mère, de voir toute cette bonté qu'ils ont manifestée pour nous. Lorsqu'on arrive ainsi finalement, lorsque notre esprit arrive ainsi à les voir donc tous d'une même manière finalement, donc d'une façon complètement nivelé et arrive à voir que leur bonté en fait à notre égard est en tout point semblable lorsque chacun donc a tenu ce rôle donc d'être une mère pour nous. À ce moment-là, là notre esprit est prêt à aborder en fait l'étape suivante, à savoir à ressentir naturellement cette gratitude et vouloir donc la manifester en retour. Tiktar chena tele ne chebur me sena son toa chebur sena chel vaslan tele ta duga ya va kalore tele na jinje ma chinge o de des et dans la lettre à un disciple donc Shenragoma dit tandis que les proches au milieu de l'océan du cycle apparaissent égarés dans son immensité. Si en raison des naissances, des morts et des états intermédiaires, vous rejetez ce que vous n'avez pas reconnu pour vous consacrer à votre seule libération, il n'existe pas de pire ingratitude. Parce qu'à ce stade, finalement, quand on regarde donc l'évolution ici de notre esprit à travers les étapes de la voie, à ce stade où nous nous trouvons, nous sommes en fait encore à la charnière. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous venons de fournir tous les efforts que nous venons de fournir, nous les avons fournis en vue de développer le renoncement et de nous doter des moyens de nous libérer du cycle des existences. C'est ce que nous venons de faire. Et donc la charnière ici est de voir que, d'accord, mais faire cela et se cantonner à cela, se focaliser uniquement là-dessus,
c'est signe d'une profonde ingratitude au vu justement donc de tout ce que nous devons aux êtres, de leur bonté. Parce que tout le fond ici de notre difficulté à parvenir à faire cela, c'est que l'on ne reconnaît pas tout simplement tous ces êtres donc, dans ces nouvelles manifestations, en quelque sorte. Ils ont été notre mère, entre-temps ils sont morts, ont pris renaissance, etc., de multiples fois, et que l'on ne reconnaît pas finalement en eux, simplement, on ne les reconnaît pas, en fait, voilà, comme ayant été notre mère. Et le simple fait de cela fait que, du coup, on ne pense pas une seconde, enfin, ne vient pas du tout à notre esprit, la bienveillance qu'ils nous ont prodiguée à ce moment-là, la bonté, les soins, etc., qu'ils nous ont prodigués à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que ce serait cela témoigne de la plus grande ingratitude, finalement, que de ne pas faire cas d'eux sous prétexte qu'on ne les a simplement pas reconnus. Donc, l'important, c'est ici de concevoir que tous ces êtres, à un moment ou à un autre, à un moment différent, mais à un moment ou à un autre, ont été nos mères et nous ont manifesté exactement la même bienveillance, la même bonté, les prodiguer les mêmes soins que notre mère de cette vie-ci. Et c'est pour ça qu'il faut revenir sur ce point encore et encore. Donc lorsqu'il s'agit ensuite de manifester notre reconnaissance, témoigner notre gratitude en retour, c'est de procurer aux êtres ce qu'ils souhaitent, ce à quoi ils aspirent. Et lorsqu'on parle ici de procurer aux êtres ce qu'ils désirent, ce à quoi ils aspirent, bien sûr, il ne s'agit pas de ce à quoi ils aspirent de façon immédiate, pour un plaisir de courte durée, mais réellement, quelle est leur aspiration profonde, ce vers quoi chacun d'eux tend, on pourrait dire intrinsèquement, finalement, ce qu'il anime. Et qu'est-ce que c'est? C'est finalement de faire une expérience stable, durable de bonheur. Et donc, ce qui nous incombe donc désormais, dans la mesure où l'on éprouve naturellement ce désir donc de témoigner notre gratitude, c'est de nous-mêmes finalement mettre en œuvre cela, contribuer à mettre en œuvre cela, c'est-à-dire qu'ils obtiennent un tel bonheur. Et comme on l'a évoqué ce matin, notamment, c'est finalement de prendre conscience de la souffrance. Donc là, de s'imprégner, de s'imprégner de la souffrance, donc qui ne cesse de tourmenter les êtres, et de prendre conscience également de la manière dont ils sont eux-mêmes assujettis à leur existence, en fait, au cycle, pardon, de leur existence eux-mêmes, combien ils sont contraints donc de prendre naissance encore et encore. Dans ce cycle. Voir en fait l'importance qu'il y a de justement les aider à dissiper la confusion qui les aveugle en fait, dans laquelle ils se trouvent. Donc lorsque l'on parle ici de manifester notre gratitude en retour, il ne faut pas se cantonner, ça va beaucoup plus loin, il ne faut pas se cantonner à offrir de la nourriture ou procurer des vêtements, par exemple, ou un logement à des gens qui en auraient besoin. Donc c'est une excellente chose, mais dans ce contexte, on va beaucoup plus loin que cela. En fait.
au final, qu'est-ce que cela implique ? Ça implique, pour sortir les êtres de leur état de confusion, ça veut dire finalement leur montrer le cheminement, en fait, leur montrer la voie, en fait, leur exposer en fait, le chemin. Le fait est que chacun, en fait, c'est le propre des étapes de la voie, chacune des étapes est étroitement reliée à la suivante ou à la précédente, en ce sens que plus ici nous arriverons à ressentir, à nous reconnecter finalement à cette bonté des êtres, à combien nous leur devons, en fait, plus nous arriverons à imprégner notre esprit, notre cœur de cela, et plus il sera facile à notre esprit de générer cette reconnaissance, ce besoin en fait, de manifester de la reconnaissance. En fait, en relation avec cette étape-là, l'exemple qui est souvent utilisé est celui d'une mère donc, qui a un seul enfant et qui donc, elle-même a des problèmes de vue et s'achemine finalement, avance en tâtonnant, et s'achemine donc au bord d'une falaise ou d'un précipice. Et naturellement, son enfant est avec elle et elle a confiance en son enfant et quelque part elle place des attentes en lui en se disant c'est lui qui guidera mes pas et qui m'empêchera en fait de tomber. Et pareillement, cet enfant lui-même sent cette responsabilité en fait de faire attention en fait à sa mère désormais, donc de prendre soin d'elle pour lui éviter cette chute. Donc c'est réellement ce même type de d'état d'esprit finalement à engendrer ici. Également, cette citation donc, de Shantideva que l'on a évoquée tout à l'heure va nous aider également dans ce sens. En pensant à tous les êtres et en voyant combien, alors qu'ils aspirent profondément au bonheur, au bien-être, ils traitent ces causes comme ils le feraient de leur pire ennemi, et au contraire, combien aspirant à être débarrassés de la souffrance, ils restent au contact de ces causes, ils fréquentent ces causes comme ils le feraient de leur meilleur ami. Ça aussi nous aide en fait, à nous sentir ô combien préoccupés finalement par leur sort. De voir finalement combien les êtres sont abrutis par leurs perturbations, finalement. Le terme ici, ce serait ivre en tibétain, mais au sens de complètement, abrutis de leurs perturbations, tellement aveuglés, tellement confus, complètement abrutis de leurs perturbations. Et de voir finalement que aveuglés ainsi par leurs perturbations, que ce soit par a fortiori, par foncièrement par leur attachement, par leur aversion, les êtres n'avancent qu'en titubant, comme un quelqu'un d'ivre, un état d'ébriété. Donc titube simplement, on pourrait dire sous le coup de leur attachement ou sous le coup de leur aversion, et donc sont dans un état complètement déplorable, complètement démuni en fait, en qui d'autre pourrait-il placer leurs attentes finalement, et qui d'autre pourrait les sortir de là que justement leur enfant, donc quelqu'un qui leur est cher, et de penser que en ce qui nous concerne, donc oui, bien sûr, c'est à nous de le faire, parce que c'est comme un petit peu si notre vue s'était entrouverte en quelque sorte, comme si nous avions quelques perceptions d'une possibilité de sortir de là, en d'autres termes. Donc à ce titre-là, oui, bien sûr que c'est à nous de le faire. Mig,
Bon, après, est-ce que les yeux de chacun sont entrouverts ou pas, ça je ne sais pas. Moi, je n'y vois pas très bien. Ma vue n'est pas très bonne et sans lunettes, ce ne serait pas terrible. Et sans lunettes, là, j'ai vraiment besoin d'aide pour avancer. Et vraiment ici, il nous faut prendre conscience de combien les êtres sont aveuglés, en fait. Combien sont les êtres sont aveugles à leurs conditions, à la réalité, et emprunt ainsi, donc complètement imprégnés de leur perturbation. Nous-mêmes qui avons quelques connaissances, en fait, pourtant, nous ne cessons de continuer à tâtonner. Et même pire que ça, même ces quelques connaissances, nombre de fois, en fait, on n'en tient même pas compte, en fait. Et on continue de faire comme bon nous semble. Donc, c'est même être encore pire qu'être aveuglé, en fait, ici. J'aimerais. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai ou c'est vrai ? Ça ne l'est pas ? Et quelquefois, ça, c'est saisissant. On peut voir quelqu'un en se disant « Ah, mais pourtant, il sait ces choses-là, ou il comprend ces choses-là, il sait ces choses-là, et pourtant. » Et donc c'est quelques connaissances que nous grappillons ici et là, en fait, que nous pouvons développer au fil du temps. C'est la raison pour laquelle il est si essentiel de les appliquer, de nous en servir, en fait, de les utiliser, en fait, sur notre esprit et de nous en rappeler donc régulièrement, d'une façon régulière, en fait, de pouvoir les ramener à notre esprit encore et encore. Shantideva nous dit également dans le Bodhisattva Charyavatara, préserver son esprit, garder son esprit, finalement préserver son esprit est la condition sine qua non de l'éthique. S'il n'y a pas de préservation de l'esprit, il ne peut pas y avoir d'éthique, on ne peut pas agir de manière éthique. Dans le compendium des entraînements, donc l'autre traité donc, qui demeure de qu'a composé Shantideva, dans le compendium des instructions, il nous dit rendu fou par les perturbations, aveuglé par la confusion, chaque pas les fait glisser vers les chemins aux abîmes nombreux. Toujours moi-même et autrui sommes des bases pour la douleur, c'est-à-dire des réceptacles en fait de la souffrance et semblables donc semblables et la souffrance donc pour les êtres transmigrants, pour l'ensemble des êtres en d'autres termes. Donc chaque pas, et là c'est assez c'est proche de l'analogie de la mère tout à l'heure et de son enfant, chaque pas les fait glisser toujours un peu plus près donc des chemins aux abîmes nombreux en fait. Ça va être petite pause.
Sanje Shindo Mide Bewa Ndogu Namda Shindo Jo Bara Jo Yedama Guru Rana Mendala Kamniyadaya.